Bonjour à tous et bienvenue au potager de Titi. Ben voilà une nouvelle petite vidéo donc pour vous montrer un petit peu le petit traitement que je viens de faire donc dans tout mon potager. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc voilà. Donc c'est du purin d'ortie et de prêle. Donc voilà. Alors c'est du concentré donc pour un réservoir, donc un arrosoir de 3 litres, il vous faut donc ce petit bouchon ici. Il vous faut 15 bouchons comme ceci. D'accord? Pour un litre, vous en mettez 5. Donc voilà, puisque c'est donc 50 centilitres pour 10 litres. Donc voilà. Donc voilà. Alors, donc j'ai fait un tout petit traitement. Et bon, pour ceux qui vous disent que le purin d'ortie ne sent pas, je vous assure que ça sent. Donc voilà, je fais une petite vidéo en vitesse avant que le temps se gâte. Donc ici, je vais vous présenter donc un nouveau petit fraisier. Je l'ai sorti, ce sont des petites fraises sauvages. Elles sont toutes petites, donc voilà. J'ai eu un petit souci, c'est que j'ai oublié de arroser donc les petits fraisiers dans la serre et ils sont tout ramollos. Donc je viens de leur donner beaucoup d'eau, donc j'ai mis des petites bacs en dessous pour leur permettre de avoir plus d'eau. Donc mes tomates, je vous ai expliqué sur une autre vidéo que j'ai dû faire un petit traitement parce qu'ils manquaient de calcium. Moi ici je viens de donner donc du purin d'ortie, j'espère qu'elles vont se remettre. Mais bon, ça commence à venir, hein. J'en ai assez bien qui arrive. Je vais vous montrer passer de l'autre côté. Donc ça ce sont les tomates cerises. Ça rougit bien. Donc ici la tomate est superbe, elle est bien. Voilà, j'en ai ici. Bon, ma plante là-bas, elle n'en faisait pas. Et voilà, regardez, ça commence à arriver tout doucement. Celle-ci aussi. Donc voilà, les petites tomates, elles arrivent tout doucement. J'en ai encore quelques-unes qui ont un peu le cul noir. Mais bon, j'espère que si pas, je vais l'enlever. J'espère que, vu le petit traitement que je viens de faire, j'espère que ça ira. D'une façon ou d'une autre. Demain, je vais contremettre un petit verre de lait à chaque pied. Voilà, bon, mon haricot ici, il est magnifique. Alors, la petite tomate ici, ben, elle se porte bien. Ça a bien évolué, comme vous le voyez. Il n'y a pas encore de concombre, enfin, moins que j'arrive pas à les voir. Faudrait que je débarrasse ma serre, c'est un peu le bordel, mais c'est pas grave. Donc voilà, les concombres, ben ça arrive. Celui-là, il m'en fait un là-bas derrière. Je sais pas si vous le voyez, normalement vous devez le voir, voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo donc pour vous montrer un petit peu le traitement que je viens de faire à mon petit potager. Donc voilà, ben j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir à tous.